Salut, bonjour et bienvenue chez Mister et Mrs. Grimm. Alors aujourd'hui, à la question, avons-nous marché sur la Lune? La réponse de ma part est oui. Et c'est pour ça que je vais aller voir First Man, qui n'a pas été traduit, c'est le titre en VO, ou qui peut se traduire par le premier homme, qui fait allusion à Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Et j'aime bien le titre, First Man, le premier homme, parce que quand même, si on veut dire, est-ce qu'il est le premier? Non, c'est le Apollo 8, Apollo 10, Apollo 11. C'est le 9e. Parce que à faire le voyage jusqu'à la Lune et revenir, ce n'est pas les premiers. Donc dans Apollo 11, il y a eu Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Collins. Michael Collins. Donc un film, un biopic sur... je pense le film va nous raconter pas seulement le voyage jusqu'à la Lune, mais j'espère qu'on saura ce qui s'est passé avant. Sachant que les trois étaient des pilotes de chasse. Par exemple, Buzz Aldrin, si je dis pas de conneries, il était pilote de chasse à la guerre de Corée. Il a fait la guerre de Corée. Donc peut-être que ça va nous raconter quelques anecdotes sur leur vie avant d'être sélectionné par la NASA pour être les astronautes, pas cosmonautes. Il y a une différence entre cosmonautes et astronautes. Les premiers cosmonautes à aller dans l'espace. Bien sûr, pour ceux qui disent, mais comment ils ont fait? Moi, j'ai de la peine à croire, comment le dire? J'ai de la peine à comprendre qu'il y ait des gens qui ne croient pas qu'on a été sur la Lune en disant, mais comment ils ont réussi du premier coup? Ils n'ont pas réussi du premier coup, c'est Apollo 11. Il y a eu Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est le premier à essayer d'atterrir sur la Lune. Apollo 8 a déjà fait le tour autour de la Lune. Ils ont fait le voyage, même pas en orbite, ils ont fait juste le tour. Donc c'était les premiers à voir la face cachée de la Lune et de revenir. Donc on sait que c'est réalisable. Apollo 10, Apollo 9, je crois que c'était un vol non habité parce qu'ils ont essayé d'envoyer le LEM sur la Lune en télécommande depuis la Terre. Oui, Apollo 9, il n'était pas habité, je vérifie quand même. Apollo 10, ils ont même été en orbite. Je crois qu'ils ont battu un record, ils étaient presque à 15 km ou 20 km de la surface de la Lune. Donc ils étaient à ça d'atterrir, mais c'était comme un vol test. Ben, ils se sont dit, ben, c'est faisable, ils sont revenus. Et Apollo 11, ils ont parcouru les 15 ou les 20 km qui restent, ils ont été atterrir sur la Lune. Voilà. Donc, ouais, on a marché sur la Lune. J'attends de voir le film parce que je ne suis pas un spécialiste de l'astronomie ou de l'espace ou de la Lune. Je suis un passionné comme pas mal d'autres gens. Le film est réalisé par Damien Chazelle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Damien Chazelle? Il a réalisé La La Land, mais La La Land, c'est une comédie musicale, je ne l'ai pas vue. Et je pense que c'est pour ça qu'il a gardé Ryan Gosling. Parce qu'en général, certains réalisateurs, ils aiment garder leurs premiers acteurs. Comme son premier film, il l'a fait avec Ryan Gosling. Je crois qu'ils ont eu même un Oscar ou deux. Il s'est dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, Ryan Gosling, Damien Chazelle et d'autres acteurs. Ryan Gosling joue le rôle principal de Neil Armstrong. Sinon, sur la Lune, qu'est-ce qu'on va vous dire comme anecdote? On a décollé le 16 juillet en 1969. Ils ont atterri sur la Lune le 20 juillet. Et je crois le 24, ils sont revenus sur Terre. Grosso modo, le voyage, il a duré... Non, c'est toujours fermé. Le voyage a duré 8 jours aller-retour. Donc, ils ont mis 4 jours pour y aller. Ils ont passé une vingtaine d'heures sur la surface de la Lune. Ouais, ils ont passé 21 heures... presque 21 heures et demie, si je dis pas de conneries. Au cas où, je corrigerai, je mettrai le temps à côté. Qu'est-ce que je pourrais raconter sur la Lune? J'adore tellement ce sujet, j'ai vu tellement de vidéos, de trucs qui disent qu'on ne l'a pas fait et de trucs qui disent qu'on l'a fait.
Alors, je vais passer direct. Bon, c'est un film. J'espère qu'il dure 2h15 à peu près. Donc, les anecdotes que je connais, que j'aimerais voir dans le film. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais voir dans le film ? L'anecdote du moment où ils étaient, après avoir pris l'ascenseur sur le petit chemin qui les mène vers le cockpit. Il y avait le gars qui était chargé de mission à l'époque. Il leur a dit, vous devez me payer pour avoir la clé de la Lune. Et parce qu'il avait fabriqué une petite clé et qu'il devait, chacun devait donner quelque chose en échange. Alors, si je dis pas de conneries, Buzz Aldrin, qui était quand même le mec le plus sérieux du groupe, avait offert une Bible dédicacée. Neil Armstrong, lui, je me rappelle. Ah oui, Neil Armstrong, il lui a offert un billet gratuit à kilométrage illimité vers la destination de son choix dans l'espace pour un voyage interstellaire. Voilà, si je dis pas de conneries, ouais, c'est un truc fait main, du genre, voilà, je te fais le... T'as le droit de faire ton voyage dans l'espace en kilométrage illimité, n'importe quelle planète de son choix, etc. etc. Sinon, Michael Collins, qui était le comique du groupe, lui, il lui a offert une truite empaillée. Ou c'était une truite en plastique, je sais plus. Mais il a offert une truite. J'espère que ça va être dans le film. Ce serait marrant de faire une anecdote à ça. Sinon, encore une autre anecdote, parce que quand même, Neil Armstrong, ils en ont discuté sur Terre. Quand tu vas marcher sur la Lune pour la première fois, qu'est-ce que tu vas dire ? Michael Collins, il lui a proposé, il lui a fait, écoute, dès que tu descends, tu fais, oh mon Dieu, ils sont là ! Et tu coupes le micro. Et il ne l'a pas fait, et il a eu la fameuse phrase, un petit homme pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Sinon, Détroit, Neil Armstrong nous a quittés en 2012. Je vous mettrai ici une photo. En 2012, il y a eu une sonde qui a été envoyée autour de la Lune. Elle a pris une photo. On voyait le LEM avec les traces de pas qui ont été laissées par les cosmonautes, les astronautes d'époque. Donc, comme quoi, on a la preuve qu'ils ont été sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? L'anecdote au moment, parce qu'il y a quand ils ont été sur la Lune, avant d'arriver, il y a deux, le module il est composé de deux parties. Il y a le module de commandement et le module lunaire. Donc il y a le petit cockpit qui est resté en orbite, où Michael Collins, le pauvre, est resté, et le petit module lunaire qui a atterri avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Comme c'est des trucs trop petits, il n'y avait pas un sas entre les deux, donc il y a une porte d'un l'un et une porte de l'autre. Au moment où Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont passés de l'autre côté, ça, en fermant la porte première et la deuxième, ils ont fermé un peu d'air entre les deux. Ce qui veut dire qu'à la séparation des deux modules, la pression d'air qui s'est échappée a créé quelques petites turbulences. J'attends de voir dans le film s'ils vont nous faire les gens qui paniquent, parce qu'ils ne sont pas censés paniquer, je vais vous expliquer pourquoi. Ça a fait c'est pour ça qu'ils ont atterri 15 km plus loin que l'endroit où ils avaient prévu d'atterrir à la base. Parce que juste cette petite turbulence a fait tourner le LEM un peu dans tous les sens. Le temps de récupérer, ça leur a consommé du carburant, parce que tout était calculé. Donc ils devaient atterrir là où ils se trouvaient. S'ils rattrapaient le coup pour revenir à leur place d'origine, ils n'auraient pas assez pour atterrir et redécoller plus tard. Donc voilà pourquoi ils ont atterri. J'espère que ça va être mis. Comment c'est que dans les films, ils aiment bien scénariser les trucs ? Moi-même qui ai fait le voyage Apollo 11 jusqu'à la Lune, ceux qui me connaissent savent que je suis gamer et que je suis PlayStation. Et sur PlayStation 4, il y a le casque de réalité virtuelle que je possède et que je me suis offert bien sûr l'expérience de réalité virtuelle Apollo 11 Lune, ça s'appelle. On fait tout le voyage de la Terre jusqu'à la Lune en réalité virtuelle à 360 degrés avec les voix d'origine des astronautes qu'on entendait dans le casque. Quelle que soit la situation, il n'y a eu aucun moment où ils ont paniqué. Ils ont toujours été calmes, zen, tranquilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Et c'est pour ça que Neil Armstrong était le chef d'équipe. Il paraît que c'est le mec qui ne perd jamais son sang-froid, quelle que soit la situation. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont nous faire, s'ils vont être crédibles ou pas. J'ai hâte de voir le film. Sinon, si vous voulez... Il y a eu les figures de l'ombre qu'on peut considérer comme un préquel pour cette histoire.
Parce qu'il y a une phrase que j'ai aimée à la fin du film, et quelque part au fond de moi, je me suis dit, j'espère que ça va lancer le truc. Le personnage joué par Kevin Costner, quand il dit à Catherine à la fin du film, vous pensez que la Lune, c'est réalisable? Et qu'elle lui répond, monsieur, mais on y est déjà. C'est une phrase, moi, un film qui m'a beaucoup touché, si jamais on a une vidéo sur le Hidden Figures. Qui est pas mal, le film qui est pas mal. Sinon, l'étoffe des héros, qui racontait comment ils sélectionnaient les pilotes et les entraînements qu'ils ont faits pour les préparer pour aller dans l'espace. Sinon, il y a tellement de choses que je peux faire une vidéo qui va durer des heures. Donc, je m'arrête là, ça fait déjà 11 minutes. Je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez si vous avez aimé, partagez et tout ça avec le smiley. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'essaierai de développer dans la deuxième partie après le film. Peut-être que je verrai des choses à dire encore. Sinon, voilà. À tout à l'heure. Ciao! Re-salut! The First Man. Un super film. Comme j'ai dit, Damien Chazelle est un réalisateur que je connais pas, à part La La Land, le film que je n'ai pas vu. First Man, un film que je voulais voir et je ne suis pas déçu. Alors, comment commencer? Si vous êtes un passionné comme moi de la conquête spatiale, de tout ça, je vous conseille d'aller voir ce film. Je m'attendais à voir juste un film qui parle de la mission Apollo et d'un coup Apollo 11, ils vont... Tac, ils arrivent sur la Lune et... Ben non, ça raconte beaucoup plus loin. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la première partie, si vous avez vu l'étoffe des héros et The Hidden Figures, le film commence depuis 1961. Il suit bien sûr toujours Neil Armstrong depuis le projet Gemini jusqu'à Apollo 11, au voyage Terre-Lune. J'espère que là la ventilation, parce qu'il fait froid, j'espère que la ventilation va pas trop gêner sur le son, parce que j'ai même plus mon micro. Comment dire? C'est une histoire que je connais. Dans les grandes lignes, le film résume bien tout. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conspirationnistes utilisent toujours des trucs pour dire c'est impossible qu'on ait été sur la Lune. Ben justement, le film, il nous raconte tout ça, mais en nous présentant que les échecs. Les réussites, que ce soit pour Gemini ou Apollo, il les zappe à chaque fois. On a vu que les échecs de Gemini, que les échecs Apollo. Et bien sûr, le film nous rappelle que quand même, il y a eu beaucoup de monde qui sont morts. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts pour cette mission, ce projet que les États-Unis ont décidé depuis le fameux discours de Kennedy, en disant voilà, on veut aller sur la Lune. Ce n'est pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et ils ont réussi. Des anecdotes que j'ai racontées au départ, ils les ont toutes zappées. Même justement, l'alunissage, à part l'alarme 1202, parce qu'à un certain moment, ils ont failli annuler l'alunissage. Ils étaient un peu dans le. Si vous voulez, une fois que le LEM s'est décroché du module de contrôle, ils avaient une limite. Si ça tourne mal, ils peuvent remonter. Mais Buzz Aldrin et Neil Armstrong sont dit, ben non, on va jusqu'au bout. Les mecs, ils étaient décidés à atterrir en sachant que probablement ils remonteraient plus jamais. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a beaucoup ému dans le film. Le directeur de la NASA, il avait prévu un discours au cas où ils revenaient pas. Donc au cas où ils allaient atterrir et qu'ils n'arrivent pas à redécoller et que Michael Collins serait tout seul à revenir sur Terre. Parce que comme il était en orbite, lui, il pouvait revenir.
c'est top. Je dirais pas qu'il y a eu des trucs surjoués ou machin, à part un moment à l'atterrissage, on sentait que la voix des acteurs était un peu en panique, alors que durant tout le film, je l'ai dit en première partie, Neil Armstrong a été sélectionné parce que c'était le mec qui gardait son calme. Et le film, d'ailleurs, le film, il commence en direct stress. Une scène, c'est ce qu'on appelle justement dans le cinéma quand le film commence en direct stress, c'est que ça commence directement dans une situation de stress, d'action. On comprend pas ce qui se passe. Et ce qui m'a encore plus dans le film, c'est que toujours ça a été filmé de l'intérieur du cockpit. Donc on découvre qu'après, on n'a pas beaucoup comme par exemple Ron Howard l'a fait dans Apollo 13, de nous faire des plans d'extérieur. On voit tout de l'intérieur. Et même je me suis marré un moment parce qu'à plusieurs fois, la caméra se balade à l'intérieur du cockpit. On voit les rivets, les échos. Et c'est vrai, quand on regarde ça, on se dit, mais putain, c'est avec une technologie pareille qu'ils ont été sur la Lune. Moi qui est du domaine de la maintenance, c'est vrai que tu vois des choses, tu dis, ouais, bah, c'était la technologie des années 60. Mais c'était pas top non plus. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça montrait bien, oui, vous critiquez ça, mais c'est avec ça qu'on a été, franchement, sur la Lune. On a fait le voyage jusqu'au... j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé pas mal d'anecdotes que je connaissais. J'ai dit, je pouvais faire une heure de vidéo. J'ai trouvé pas mal d'anecdotes que je connaissais. Je trouve que le film est bien raconté. La personnalité de Neil Armstrong est bien posée. Ouais, Buzz Aldrin, ça m'a un peu dérangé comme ils l'ont mis. Parce que je l'ai dit en première partie, c'était le mec le plus sérieux un peu du groupe. Mais là, il passe plus pour un enfoiré. Parce qu'il y a la première mission de Gemini qui se crash, je crois que c'était Gemini 2 ou 3, lui il dit, ben, ils auraient mis des pilotes, parce qu'il y avait du brouillard. Lui, il avait raison dans son raisonnement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il l'avoue, quand on regarde les rapports, les trucs, que peut-être un pilote plus expérimenté, ou peut-être un pilote plus posé, aurait pu s'en sortir, mais malheureusement, on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Quoi qu'ils ont estimé tous les risques possibles, mais on peut pas, le facteur humain, on peut pas le prédire ou le prévoir. Donc on peut pas vraiment juger là-dessus. Mais malheureusement, oui, il y a eu des gens qui sont morts. Le premier Apollo, le premier test d'autonomie, quand les trois pilotes sont morts, que tout le monde exploite en disant on les a tués parce que c'était les seuls qui disaient que c'est impossible qu'on aille sur la Lune. D'ailleurs, dans le film, ils le font au moment où l'un des astronautes, j'oublie toujours, j'ai dit cosmonaute, l'un des astronautes dit, si on n'arrive pas à s'entendre, à se capter d'un immeuble à un autre, comment est-ce qu'on pourrait aller sur la Lune? Ils avaient pas mal, mais c'est vrai que c'est avec ces échecs qu'ils ont amélioré leur truc, qu'ils ont réussi à aller sur la Lune. Non, le film est vraiment magnifique, émouvant, et le film n'est pas tombé dans le piège du bruit, parce que dans l'espace, le bruit ne se propage pas, on l'entend pas. Il y a eu 2-3 scènes, mais je dirais, vu que c'est filmé de l'intérieur, on pourrait entendre la vibration qui passe à travers l'atoll ou la carlingue. Mais sinon, une belle musique, parce que bah, vu que dans l'espace, il nous fait quand même la scène, il n'y a pas de son. Et après, ils nous mettent une musique derrière qui était magnifique. La musique du film, j'ai beaucoup aimé, surtout dans l'espace, parce que comme c'est le silence, ils profitaient de mettre de la musique. Ça passe pas. J'ai beaucoup aimé. Et surtout, toutes les scènes sont filmées de l'intérieur, que ce soit les décollages, la poussée quand ils sont dans l'espace. Tout est filmé de l'intérieur, c'est ce qui fait une tension. D'ailleurs, je donne un conseil, si vous êtes épileptique, je vous déconseille le film. Parce que vu qu'on est à l'intérieur du cockpit, la caméra est tremblante. Ça tremble vraiment beaucoup. Mais un magnifique film. Le décollage, comme il a été filmé, parce qu'il nous a fait
une scène d'extérieur, mais sans faire dans le sensationnel, mais elle était sensationnelle. Un film qui était sur ma liste, un film que je voulais voir, et un film que je suis pas déçu d'avoir vu. Un super film, magnifique. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? First Man, si vous connaissez rien à la conquête spatiale, mais si vous avez vu Les Étoffes des Héros, si vous avez vu Hidden Figures, pour vous, c'est juste une suite. Et point de vue historique, j'ai rien à reprocher par rapport à ce que je connais. J'ai tout retrouvé dans le film. Et je trouve qu'il raconte bien son histoire. Il est fidèle au truc. Après, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Il y aura sûrement un spécialiste qui va dire « Oui, ils ont mis ça, le logo, le truc. » Michael Collins, dommage, c'est le mec que tout le monde ignore. C'est le mec dont très peu de gens connaissent le nom. C'est celui qui est resté en orbite dans le module de commande. Et je trouve dans le film, il apparaît qu'au moment où ils vont sur la Lune. Il a 2-3 répliques. Et j'aurais aimé qu'il lui fasse un petit honneur de le montrer un petit peu plus, au moins. Le film reste fidèle à la sérénité des astronautes, parce qu'ils sont restés calmes, pas comme dans Apollo 13, où il y a eu de l'énervement des trucs. Non, ça se passe pas comme ça. Comme je l'ai dit, j'ai fait le trajet Terre-Lune avec les voix d'origine des astronautes. Je retrouvais ça dans le film. Je retrouvais un peu ce que j'ai vécu dans la réalité virtuelle quand j'ai fait l'expérience. Un super film que je vous recommande. Je l'ai vu en retard, malheureusement, avec un bébé qui fait ses dents et maman qui travaille, et les horaires de travail à moi aussi. Ce n'est pas évident. Donc voilà. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. First Man, un film à voir. Que vous soyez passionné ou pas, ça vaut le coup. Si vous avez aimé Hidden Figures, vous allez aimer First Man. Si vous avez aimé L'Étoffe des Héros, vous allez tout retrouver dans First Man. C'est un film qui respecte la chronologie historique et les faits existants. Voilà. Sans trop de complotistes. Parce que j'ai pas vu Nixon parler avec Stanley Kubrick. J'ai pas vu Disney qui discute avec Van Braun. J'ai vu juste l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans la vraie vie. Voilà. First Man, un bon film. Sinon, avec mes plannings, les plannings de madame, le bébé qui commence à faire ses dents, je ne sais pas si la semaine prochaine. Non, mercredi, je travaille de nuit. Donc la semaine prochaine, je ne sais même pas quel film il y aura. Venom, je l'ai raté. Alors, c'est tout le monde qui me dit que les critiques ne sont pas fameuses, mais j'aurais aimé me faire mon propre avis. Donc là, au cinéma, c'est foutu pour ma part. Nico Palladino, encore une fois pour The Guilty, malheureusement il n'est pas dans ma ville, il est à Fribourg et j'aurai pas le temps, en plus avec les horaires que j'aurai cette semaine, donc à voir en streaming. Je connais pas mon planning, je sais quels sont les films qui vont sortir, mais malheureusement merci à Frédéric et Christophe qui m'ont invité pour aller voir Bohemian Rhapsody, le film sur Freddie Mercury que j'aurais aimé voir. Malheureusement ça va être chaud. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez ou dislikez, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et partagez sur Google+, Facebook, Twitter, tout ça avec le smile. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, à la prochaine. Ciao.